Cette guerre n'est pas seulement un conflit entre deux pays. C'est tout l'ordre mondial d'après-guerre qui est remis en cause. La Russie a menti à la face du monde, violé les lois internationales et agite aujourd'hui la menace suprême. L'Europe n'est plus une terre de paix et les armes y font à nouveau des morts, des blessés, des déplacés. Certaines nations montrent qu'elles sont prêtes à tout dans leur quête de puissance. Et si nous laissons faire, le nouvel ordre mondial qui s'ouvrira sera celui de la loi du plus fort. Alors quand la liberté et la démocratie sont sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir, pas le droit de louvoyer. La France et l'Europe doivent être au rendez-vous. Notre objectif est le même depuis le début. Rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Frapper durement son économie pour l'empêcher de financer son offensive. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Des sanctions financières qui limitent les capacités de financement de l'État russe et des entreprises.